c'est François de la chaîne Tuto et News, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire voir donc les accessoires que je préfère, donc 7 accessoires que je préfère avec le MacBook Pro, donc à savoir celui qui a essentiellement que des ports USB-C à la base. Donc ça peut être un problème car toutes nos anciennes connectiques ne sont pas forcément en USB-C, donc c'est vrai que il faut s'adapter à la situation. Voilà, donc devant moi j'ai disposé des 7 accessoires qui sont pour moi super nécessaires. Donc on va commencer tout de suite par les câbles. Donc le câble USB vers Lightning pour recharger votre iPhone. Voilà, il sera quand même essentiel. Donc on va voir ça, on va l'utiliser avec un adaptateur ensuite. Ensuite, vous avez le câble USB-C. USB-C fourni donc avec votre MacBook. Pourquoi je l'ai mis ? Alors je l'ai mis parce que si vous avez un iPad, donc un iPad Pro, les nouveaux, vous allez pouvoir utiliser ce câble pour le charger sur le MacBook. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? On a un hub. Donc un hub comme celui-ci là. Voilà, je vais vous mettre toutes les photos donc en lien qui se met donc sur le côté du MacBook. C'est très propre, ça va très bien, c'est de la même couleur. Alors ce hub, il a donc 8 ports. Il est compatible avec la 5K UHD. On peut même juste ici lui rajouter 512 Go en SSD qu'il faut acheter ultérieurement. Ensuite, là vous avez donc un premier port type USB-C pour le charger, un port USB type C pour les données, un port USB 2, un port USB 3, un micro SD, un pour les cartes SD. Ensuite, là vous avez donc un port aussi pour le mini display. Voilà. Ensuite, juste en dessous, on le voit pas là, mais quand il est donc en fonction, il y a une petite LED qui s'allume ici. Alors bien sûr, au niveau des hubs, vous avez plein de possibilités. Moi, j'ai pris celui-ci parce qu'il me convenait parfaitement. Mais bon, vous avez le choix. Je vous mettrai le lien de tous ces accessoires, hormis les câbles, en description. Donc, on va passer tout de suite à un autre accessoire qui est vraiment sympa. Et voilà, le problème avec USB-C, c'est que il faut changer nos clés USB. C'est une clé USB qui d'un côté est en USB 3 et de l'autre côté, vous l'avez en USB type C. Donc forcément, c'est pratique, vous allez chez un pote ou au boulot, vous avez l'USB, vous mettez dessus et puis directement après sur votre MacBook, vous venez le mettre. C'est quand même super pratique, vous voyez que c'est pas grand du tout. Et c'est super super. Alors, un autre accessoire, un adaptateur USB, voilà, USB, USB-C. Alors lui, c'est pareil, il se branche sur le côté, il est tout petit. Vous voyez, puis alors du coup là, vous voulez brancher votre iPhone, et vous venez brancher votre câble. Voilà, c'est parti. Vous avez donc une clé USB, vous pouvez venir également la mettre dessus. Vous avez une souris filaire, et vous venez directement aussi brancher dessus. Donc cet adaptateur est vraiment sympa, je vous mettrai le lien parce qu'il est livré, il y en a deux dans la boîte, c'est plutôt bien quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Alors, suivant le MacBook que vous allez utiliser, vous allez certainement manquer de stockage. Et vu qu'on ne peut pas la changer, ce qui est pas mal, c'est d'avoir un disque dur à côté. Alors, si vous n'en avez pas, naturellement, je vous conseille de prendre un SSD parce que le taux de transfert est super élevé. Donc là, en l'occurrence, c'est un Samsung, un T5. Voilà. Donc, lui, il est livré avec deux câbles, dont un câble USB type C vers USB type C. Bon, à savoir que si vous avez aussi d'autres disques durs, à savoir donc un peu plus traditionnels, qui n'ont pas le même câblage, vous pouvez toujours acheter le câble qui va bien et qui finira en USB-C sur votre Mac. Ça a l'avantage de pas changer votre disque dur en fait. Ce serait quand même dommage si vous en avez un normal de le changer juste à cause d'une connectique. Voilà. Ensuite, dernier objet qui est quand même important, c'est la petite housse pour ranger le MacBook. Alors moi, j'ai choisi une housse de chez Inatec, qui est assez sympa au niveau coloris. Elle est un petit peu chinée grise, avec un peu d'orange. Sur le devant, vous avez donc une petite pochette, par exemple vos accessoires dedans, clés USB, vos petites clés.
Et à l'intérieur, c'est super molletonné, c'est tout doux. Donc, on voit que le MacBook rentre parfaitement dedans. Voilà. C'est assez léger. C'est assez sympa. Ça prend pas du tout de place. Même dans un sac à dos, voilà, il est en sécurité et ça bouge pas. Voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère que ces petits accessoires vont pouvoir vous simplifier la vie au quotidien. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, à plus tard, c'était François.